Ben, taguez-moi Ousmane Gawal. Hier, on a vu la sortie de ses avocats. Mais on va rappeler à Ousmane Gawal son passé. Gawal, tu as vu que la politique, c'est pas facile, hein? Gawal, tu as vu que la politique, ce n'est pas facile. Toi, à l'époque, Ousmane Gawal, à Paris, qu'est-ce que tu n'avais pas dit contre le président Alpha Condé? Ousmane Gawal, qu'est-ce que tu n'as pas dit contre le président Alpha Condé lorsque tu étais à Paris? Tu as même parlé de sa mort. Ousmane Gawal, est-ce que le président Isaac Clamont, merci, est-ce que le président Alpha Condé a porté compte, a porté plainte contre un opposant guinéen, contre un leader, contre tous ceux qui l'ont insulté, qui l'ont dénigré? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à l'époque? Mais je vais expliquer aux Guinéens ce que tu cherches toujours. Tu n'es pas encore satisfait, Ousmane Gawal. Tu fais juste semblant. Sinon, tu appartiens au gouvernement de Mamadi Doumbouya. Au lieu d'aller porter plainte à Paris, c'est que tu as eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu es riche. Tu n'es pas français. Normalement, tu es guinéen. Tu veux chercher encore à salir El Hadj Soudaré. C'est pourquoi tu as contacté des journalistes, tu es allé encore à Paris. Que toi, tu portes plainte. Aujourd'hui, tu as eu l'argent. Tes avocats, tellement qu'ils ne sont pas professionnels, quand ils sont sortis, les gens les ont écoutés. Présomption d'innocence, ils ne devaient même pas dire, voilà, Ousmane est comme ça, nanani, nanana. Tu veux porter plainte sur ton plein droit. Mais donc, c'est-à-dire, c'est pour aller encore dire le nom de El Hadj Soudaré du côté de Paris, que tu as porté plainte à Paris. Ce n'est pas nous les blogueurs et autres, là, Gawal. Nous, personne n'a rien dit. C'est-à-dire, si tu n'es pas responsable de quelque chose, tu dois rester tranquille. Au lieu de sortir encore, voilà, je vais saisir poule d'avocat. Toi, tu as l'argent. Depuis quand tu as eu l'argent, toi, pour saisir des poules d'avocat, nous sommes en Occident. Tu étais à Paris là-bas. Tu sais combien il faut pour payer ces avocats-là. Mais toujours, tu n'es pas satisfait encore. Tu n'es pas encore satisfait. Tu veux juste faire le semblant Ousmane Gawal pour dire, voilà, je vais porter plainte contre tel journaliste, tel blogueur, nanani, nanana, mon image, Ousmane Gawal. Tu n'es pas encore satisfait. Hein? Tu as eu l'argent fait où? Tu es devenu riche. La justice guinéenne, ça ne te suffit pas. Hein? Les médias en Guinée, ça ne te suffit pas. Tu as eu beaucoup d'argent. Il faut arrêter ton cinéma à un moment donné. Il faut arrêter ton cinéma. Il faut arrêter ton cinéma. Il faut arrêter ton cinéma. Donc tu veux dire que la justice guinéenne, ça ne te suffit pas. Tu es dans le gouvernement là. Ça ne te suffit pas. Parce que toi, tu as eu l'argent aujourd'hui. Tu vas aller Conan, tu vas aller... Il faut saisir la justice américaine aussi. Il faut chercher des poules d'avocats aux États-Unis ici. Ils vont t'aider. Gawal. Il faut chercher des poules d'avocats ici aux États-Unis. Ceux qui vont te chercher, qui vont vraiment t'aider. Moi-même, je veux vraiment que oui, que El Hadj Soudaré aussi, ceux qui cherchent à le ternir aussi, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur WhatsApp, ceux qui ont, c'est-à-dire, chercher à ternir son image aussi, ils n'ont qu'à prendre aussi des poules d'avocats. Ils vont remonter jusqu'à la source. Et c'est ce que Selou doit faire dès maintenant. Il doit prendre aussi des poules d'avocats. Même si l'UFDG doit cotiser. D'où cette vidéo, que ça soit montée ou pas, la provenance de la vidéo, les Guinéens seront tout de suite. Comme lui, il allait déjà qu'il va aller prendre des poules d'avocats. Wallahi. Les gens seront qui est à la base de tout ce complot ou de ternir l'image du monsieur.
Lui qui n'est même pas, lui son image n'est pas, lui déjà, on dit voilà, il est derrière, boum, lui s'est levé. Ce que elle a, celui-là, elle n'a pas encore fait. Gawale, tu vois que toi-même, hein, celui-même qui est la victime, lui n'a pas, il n'a rien dit d'abord. Lui n'a pas encore agi. Lui n'a pas saisi la justice d'abord. Toi d'abord, boum, quoi, déjà on dit, voilà, tu es derrière tout ça là. Tu allais déjà prendre des avocats du côté de Paris. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal a l'argent aujourd'hui. Il a beaucoup d'argent. Ça va chez lui. Hein? En tout cas, on dit tu peux prendre la CPI aussi. Tu peux saisir la CPI. La victime n'a pas réagi. C'est toi. C'est-à-dire... Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, mais attends, le monsieur là. aujourd'hui, qui est blessé? Qui est victime? Si toi déjà. Attendez, hein, il fait chaud. Si toi déjà, tu veux sortir, aller jusqu'à Paris. Attendez, je vais diminuer le clim là. Voilà, j'espère que vous m'entendez maintenant. Si toi tu allais chercher des avocats à Paris, c'est pour aller encore donner le nom de Ella Sélou Dalé. C'est pour aller encore dire les militants de Sélou. On dit ça. Sinon tu n'avais même pas besoin. L'affaire c'est en Guinée. Il y a une justice en Guinée. Tu appartiens à ce gouvernement. Ousmane Gawa, Paris là, si ce n'est pas encore pour salir le nom de Ella Sélou Dalé, si ce n'est pas pour gâter le nom de Ella Sélou Dalé, pourquoi tu vas aller prendre des avocats à Paris? C'est ma question, hein. C'est pourquoi je fais le live. Si tu avais dit, tu vas saisir la justice guinéenne, moi je n'allais même pas sortir, je n'allais même pas sortir dire quoi que ce soit, Gawa. Je n'allais rien dire sur toi. Mais le fait d'aller jusqu'à Paris, parce que c'est le nom encore de ton ancien patron, le nom de ton ancien patron que tu veux encore aller salir. Tu as dit des blogueurs, que des journalistes, que des blogueurs. Mais vous-même, vous les avocats de Ousmane Gawal en Guinée, vous êtes des juges. Mais regardez comment vous êtes sortis hier. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas des professionnels. La présomption d'innocence. Pourquoi vous sortez et vous dites, ah Ousmane, il n'est pas de ce genre, nanani, nanana. Vous avez saisi d'après vous la justice. Vous avez vos preuves d'accusation. Mais, allez-y. Mais au lieu de dire, voilà, on va contacter, on a payé, vous n'allez pas prendre quelqu'un à Paris là-bas si vous n'allez pas le payer et des milliers d'euros. Ousmane gagne l'argent aujourd'hui. Ousmane a beaucoup d'argent aujourd'hui. Ousmane n'est pas satisfait. Ousmane veut aller au-delà de la Guinée. C'est le nom de qui tu vas dire. C'est pas moi, c'est pas nous les blogueurs tu vas dire. Ce n'est pas le nom des journalistes tu vas dire à Paris là-bas. Eux ils connaissent pas. Mais c'est encore le nom de l'homme qui est respecté du côté de France. Et là c'est l'Oudalé. Les journalistes que tu vas contacter là-bas, c'est encore le nom de celui-là. C'est pas nous. C'est pas le journaliste qui est en Guinée, c'est pas les blogueurs, c'est pas ceux qui ont défendu Ella Sélou Dalé dans l'affaire là que tu cherches à créer des problèmes. C'est toujours encore tu n'es pas satisfait. Parce que la réaction des Guinéens dans l'affaire de Sélou vous a dépassé. Même les militants de Sélou jusqu'à présent, ils soutiennent la dernière. Vous avez vu pourquoi tu n'as pas fait dès les premiers jours? C'est quand il y a eu l'Assemblée général du parti que tu as compris que ah déjà ces militants même si on fait autre chose ils le soutiennent. C'est là hier vous sortez, on a saisi des poules d'avocats du côté de Paris, voilà, on va dire personne n'a porté plainte contre toi Ousmane Gawal. Entre le président Sélou et toi ou bien l'UFDG, qui devait porter plainte contre qui?
Ousmane Gawal, c'est ma question. Entre l'UFDG et son président, et toi qui es là en train de dire, on a gâté mon nom, on m'a accusé, on a fait ça. Qui devait porter plainte contre qui? Qui devait aller vite? Et là, celui-là n'a pas dit un mot. L'UFDG n'a pas porté plainte. C'est toi qui sors, parce qu'aujourd'hui tu as l'argent, tu es devenu riche, tu as pris des poules d'avocats en Guinée, poules d'avocats. Mais il faut réfléchir souvent. Tu vas te détruire toi-même, Ousmane Gawal. Tu vas te détruire. Je ne sais pas, tu es opposé à ton ancien patron. Quand on dit l'ingratitude, c'est ça. Toi, Beka qui parle là, tu peux la fermer à un moment donné. Parce que vous, vous avez une haine contre ce loup. Moi, je ne suis pas militant de l'UFDGD. Moi, je suis un Guinéen. Ces avocats sont sortis quand il y a un débat. Pareil, je vais dire ma part. Il a dit, les blogueurs, si il a quelque chose contre moi, il peut porter plainte. Nous sommes dans un pays de loi ici. Ce qui a été fait, nous on a commenté sur ça. Ngaye, c'est rentré, c'est sorti. Il est en Guinée là-bas. Pourquoi il ne porte pas plainte en Guinée là-bas? Pourquoi il ne porte pas plainte en Guinée? Ceux qui sont victimes, eux-mêmes, ils n'ont pas parlé. Celui dont son image est salie, lui, n'a pas parlé. C'est lui, Ousmane Gawal. Boum! Quand il a saisi le barreau de Paris, ou je ne sais. Ousmane Gawal, quand tu peux saisir aussi la Cour pénale internationale. Toi, tu n'es pas frappé. Toi, tu n'es pas blessé. Toi, ton image, rien. Quoi, parce qu'aujourd'hui, tu es devenu Ousmane. Qu'est-ce que toi, Ousmane, vous, c'est-à-dire Ousmane Gawal, qu'est-ce que vous n'avez pas à dire contre le président Alpha Condé ici? Lorsque tu étais à Paris, tu es rentré, on a porté plainte contre toi. Lorsque tu avais parlé même de la mort du président Alpha Condé, Ousmane Gawal, est-ce que quelqu'un a porté plainte contre toi après tout ce que toi tu as dit ici? Tu as raconté tout ici, personne. Le président Alpha Condé, on a tout dit ici sur lui. Racontez tout, sorte de mensonge. Mais personne n'a porté, il n'a porté plainte contre qui que ce soit. Et toi, tu vas sortir, Ngaye, c'est rentré, c'est sorti. Hein? Je vous ai dit, à un moment donné, il faut te ressaisir. Tu vas trop. Tu vas trop, Gawal. Tu vas trop. Charles Wright ici. Tout le monde, les gens ont parlé. Charles n'a pas dit qu'il va saisir barreau de Paris. Charles Wright, qui a été victime aussi. Charles n'a pas dit qu'il va saisir barreau de Paris ou il va saisir quoi que ce soit. Là, tu penses que quoi? Si tu veux toujours continuer à salir l'image de celui, il faut le faire, c'est ça. C'est le but. C'est le but. Il faut arrêter. Tu penses que tu vas influencer sur quelqu'un ou rentrer. La justice, c'est pas comme ça. La justice, c'est pas comme ça. L'affaire qui est sortie, tout le monde a compris. Il y a des motivations politiques derrière tout ça. Là. Pour faire tomber quelqu'un, il y a quelqu'un qui est toujours derrière. Mais à un moment donné, il faut arrêter un peu, parce que tu vas loin. La justice guinéenne, ça ne te suffit pas, tu vas loin. C'est pour aller dire quoi à Paris? Toujours encore. Voici encore un imbécile qui est là, qu'au Farid Compaoré, qu'au vive Mamadi Doumbouya. Tu penses que Mamadi Doumbouya, on peut le comparer à Ibrahim Traoré? Vous les bêtes, là, quand vous ne connaissez pas les tendances d'un pays, vous ouvrez vos gueules, vive Mamadi Doumbouya. Tu sais ce qui se passe en Guinée actuellement? 18 500 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement, toi, Naluma, là, qu'au Fabrice Compaoré. Tu as vu
les autres pays putschistes, ils ont créé leur union. Est-ce qu'il y a la Guinée dedans? Mamadi était légionnaire. Toi, Naluma, là, au lieu de chercher à comprendre les choses, vous ne cherchez même pas à comprendre les choses. Pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas demandé à Mamadi d'adhérer à leur union? Des Naluma comme ça, tu viens. Actuellement, personne ne parle de Ibrahim Traoré. Toi, Naluma, là, tu vas venir, Kono, tu vas parler. Viens, Mamadi, tu es flanqué là-bas. Tu ne sais même pas ce qui se passe. La souffrance des Guinéens. Hier, juste pour l'électricité, avant le coup d'État, les Guinéens, il y avait l'électricité. Toi, Naluma, tu viens dans le live. Au lieu de chercher à comprendre, qu'il a été convivre, Mamadi Doumbouya. Naluma, il faut chercher à comprendre les tendances de la Guinée. Nous, on ne va pas venir comme ça. Ça, on ne voit pas un changement au Burkina. Au départ, on a critiqué. Mais on a vu Ibrahim. Il est sur la bonne voie. On n'a plus parlé. Mais vous, des bêtes comme ça, là, vous venez pour vivre Mamadi Doumbouya. Tu sais ce qui se passe au pays? Hier, il y a eu combien de morts? Juste pour l'électricité. Ibrahim, au moins, lui, on peut dire, il est réfléchi. Il est entouré par des bonnes personnes. Mais en Guinée, c'est des narcos qui ont fait le coup d'État. Et vous ne comprenez pas ça. Va taper sur Google. Il faut voir la réalité de la Guinée aujourd'hui. Va, tu tapes sur Facebook. Il faut voir les réalités de la Guinée avant de vomir. Depuis que le bandit est venu, il a fait quel chantier? Par rapport à Ibrahim qui est en train de faire des routes. L'agriculture au Burkina qui avance. Il faut comparer avant de venir vomir tes salades ici. Il faut soutenir un bandit comme Mamadi Doumbouya. C'est vous qui faites que quand on vient attaquer Assimiou et les autres là. Donc prochainement tu viens ici, tu racontes des salades, on te bloque ici. La majorité ici, ceux qui me suivent, 95% ce sont des Guinéens. Voilà, donc la vidéo c'était pour Ousmane Gawa, la sortie de ses avocats hier pour dire, voilà, ils ont des amis, ils ont saisi le barreau de Paris, voilà, il y a certains qui sont en train de l'accuser, qui veulent le salir. Celui-même qui est victime, celui dont on a touché à son honneur, hein, sa dignité, et là c'est lui d'aller, lui n'a pas réagi. C'est Ousmane Gawa, aujourd'hui il est devenu puissant, il est devenu fort, il a l'argent. Lui peut rester en Guinée, payer des avocats du côté de Paris. Quoi, parce que qu'on a dit, c'est lui qui est peut-être derrière ça. Le monsieur maintenant, oui. Mais je vous dis, ce n'est même pas dire, je vais, ceux qui ont dit que je suis responsable ou pas, ce n'est même pas ça. C'est encore envoyer l'affaire à Paris. Les médias, juste encore, ils vont salir le nom de Ella Cellulaire du côté de France. C'est tout. Sinon, si c'était autre chose, pourquoi tu n'as pas en Guinée? Parce que tu as affaire à des Guinéens. Si c'est des Guinéens qui ont gâté ton nom, si c'est des Guinéens qui t'ont accusé là-bas, mais il faut porter plainte là-bas. Maintenant, on saisit barreau de Paris, c'est pour aller encore dire, salir le nom de Ella Cellulaire. Les militants de Cellulaire ont dit ça. Tel a dit ça. Voilà, Danani. Pour encore, boum, salir le monsieur du côté de là-bas. Ousmane Gawa, il faut te ressaisir. Ousmane Gawa, il faut te ressaisir. Tu vas loin. Il faut te ressaisir. Si tu veux prendre la tête de l'UFDG7, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Eh bien, tu pars, tu te présentes lors du congrès, là. Mais si ils veulent te nommer à la tête du parti, ils vont te nommer. L'affaire, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de plainte portée contre toi. Personne n'a porté. Vous-même expliquez ça. Quelqu'un dit on m'accuse. Personne n'a porté plainte. La personne qui est victime, la personne est calme. La personne ne dit rien. Expliquez ça. Ousmane Gawa. La victime même n'a pas agi. La victime peut porter plainte. Il peut porter plainte. Il peut saisir la justice. Voir ceux qui sont derrière. Mais lui, il n'a pas fait. Lui, il est juste, il est calme. Il ne se reproche de rien. Et ses militants sont fidèles à lui. Et toi, tu sors, quand tu as pris les gens, quand tu vas poursuivre les gens. Mais, quand même, il faut réfléchir. C'est quand on porte plainte contre toi, on t'accuse directement, il y a quelqu'un qui vient pour dire, c'est toi qui es responsable.
Maintenant, comme tes avocats, ils les ont pris, et voilà, pour te défendre. Mais si toi, tu es le premier qui n'est même pas la victime, tu sors. Ou parce qu'aujourd'hui, tu es fort. Non, mais il faut arrêter. Gawad, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Ça, tu ne vas rien gagner dedans. Tu n'auras rien dedans. Je dis bien, tu n'auras rien dedans. Rien. Yep. Ousmane Gawal, franchement, tu déconnes, hein? Il faut te ressaisir. On t'a pas, les gens ne t'ont pas insulté. Tu es sorti dans les médias, les gens l'ont vu. Tu es sorti chaque fois, tu parlais à ton ancien patron. Les gens, tout le monde ont vu. On a senti en toi la rivalité. Ça, personne ne peut cacher. Donc, quand tu vas sortir pour dire, tu vas faire des menaces, tu vas menacer qui? On dit, ce qui reste, il faut saisir la Cour pénale internationale ou la Cour de justice de la CEDEAO. Mais tu as vu combien de fois tu es parti loin? Au lieu d'aller à Paris, pourquoi tu n'as pas saisi la Cour de justice de la CEDEAO? Ousmane Gawad. Après, vous dites toujours, on est panafricaniste. Voilà, nous sommes panafricanistes. Vous êtes panafricaniste où? Pourquoi tu n'as pas saisi la Cour de justice de la CEDEAO? Toi, tu sautes jusqu'à Paris. Hein? Pourquoi c'est jusqu'à Paris si ce n'est pas pour aller salir le nom de ton patron encore? Tu n'es pas satisfait en Guinée. C'est ce que je vais dire. Il fallait laisser le problème en Guinée. Mais tu veux aller jusqu'à Paris. Maintenant, les avocats vont dire, c'est dans quel dossier? C'est Selouda l'air? Ça va être médiatisé encore? On va dire, il y a quoi? Mais Ousmane Gawal, le plan, le jeu, c'est tellement facile. Toi-même, tu es membre du gouvernement, tu as été ministre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Il n'y a même pas de justice en Guinée. C'est ce que tu viens de montrer. Aux Guinéens, Ousmane Gawal. Il n'y a pas de justice en Guinée. Toi, tu es un ministre. Tu es puissant. Tu es fort. C'est à Paris. Toi, tu dois aller porter plainte. C'est les avocats, c'est les juges de la France qui peuvent te satisfaire. En Guinée, non, personne. Mais quand même, il faut arrêter à un moment donné. Hein? Non, c'est pas vraiment joli à voir. Hein? C'est pas joli à voir. Il faut te ressaisir. Si aujourd'hui quelqu'un devait sortir ou un parti pour saisir la justice en France ou saisir la justice à travers le monde pour ceux qui cherchent à salir, à rabaisser Ella Seydoualé, c'est encore UFDG et son président. Mais eux, ils sont restés calmes. Personne n'allait porter plainte contre vous quelque part, mais c'est vous qui sortez encore aller faire du bruit. Parce que toujours faire du bruit. Les choses se calment. Vous cherchez toujours à faire bruit. C'est-à-dire même, c'est passé même. Les gens même ont oublié. C'est le ramadan. Les gens ont oublié. Maintenant, il faut encore essayer d'aller animer ça du côté de Paris. Voilà les journaux. Voilà, on va dire ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que ça n'a pas l'écho que vous cherchiez. Les gens cherchaient. Ils n'ont pas eu. Maintenant, il faut aller faire encore du bruit de l'autre côté. Quand même. Faut te réfléchir dans la vie. Hein? Faut te réfléchir dans la vie. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur la sortie des avocats de Ousmane Gawal. Trop, c'est trop. Il faut arrêter certaines choses. Moi, je l'ai dit, hein? Wallahi, si j'étais à la place de l'UFDG et de son président, on allait saisir la justice un peu partout. C'est-à-dire même Facebook, WhatsApp, toutes ces applications, tous ceux qui ont cherché à salir la dignité de ces loups, remonter jusqu'à la source, ils peuvent le faire. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont à la base, c'est sorti dans tel téléphone, c'est parti, c'est quitté dans quel WhatsApp, allez là-bas, wallah, ils vont remonter. Même si vous enlevez, ils vont remonter. C'est pourquoi aux États-Unis, ces bêtises-là, tu ne peux pas le faire. Chercher à ternir l'image de quelqu'un, tu ne peux pas le faire ici aux États-Unis. Moi, aurait été moi, c'est ce que l'UFDG devait faire. Remonter jusqu'à la source. C'est moi, c'est pas moi. C'est toi, c'est pas toi. Maintenant, si la justice se saisit
on saisit Facebook, on saisit WhatsApp, on saisit, en tout cas, tous ces moyens de partage ou autres là, wallah, ils vont remonter jusqu'à la source. Et comme ça, les vrais responsables seront situés. Qui a donné à qui a fait quoi, wallah, certains ne vont plus parler. Mais on dit souvent, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. C'est-à-dire, ce n'est pas tout qu'on laisse. On vous fait du mal. Ne dites pas non, Dieu est grand, je laisse pour moi Dieu. Non, certaines choses, il faut vous battre. Il ne faut pas tout laisser. Quand vous laissez tout là, ce n'est pas bon.